Marie nous attend. Je sais pas, trop content. Allez, on vous laisse trois chances. Carrefour Express, bonjour. Il y avait marqué un vélo. Ah oui. Bonjour monsieur, c'est combien les pots de fraises? Je connais, toi. Vous me connaissez? Vas-y, on fait le photo, j'ai des fraises gratuites alors. Eh ben on va en profiter. On va en profiter. Que personne ne pense que c'est un spectacle. Mec, le moteur allumé et tout, qu'est-ce que tu fais? 650. Mais non. Vous avez trouvé d'un coup? Vous le saviez? Du premier coup. Un petit peu semblant, je sais pas. 650. Bon, les gars, c'est parti. Regardez ce que j'ai dans mon sac. On va aujourd'hui vous faire plaisir. Enfin, peut-être pas. Ce que j'ai dans mon sac, ça quand même bien. Mais non, dans ton dos. Hein. Dans mon dos, oui, pardon. On était en train de jouer à la play, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas plaisir à la communauté? Même si ça m'arrangerait que personne devine, bah, il y a combien de chevaux. En fait, en gros, ce qui va se passer, c'est très simple. On va livrer des commandes avec ceci et on va demander à la personne si elle trouve le nombre de chevaux exact qu'il y a dans le Urus. On lui rembourse sa commande, quoi. Bon. J'ai pas pris beaucoup, mais j'espère que tout ça va rester dans ma poche, quoi. J'ai pas pris beaucoup. Non, y'a pas beaucoup, vraiment. C'est-à-dire que s'il y en a deux qui devinent, on arrête la vidéo. Et si personne devine, bah tu m'achètes un pass de combat et on joue ce soir. Wow. Tu veux peut-être que ce soit réinjecté, quoi. Super. Mais en tout cas, regarde, c'est assorti avec la bagnole. C'est fou, quoi. Config Shrek pour livrer des... Je mettrai un bip. Wow. Je mettrai un bip. Non. Bah je remettrai un bip. C'est quoi ce rôle? Oh non, regarde, c'est quoi ces conneries? Mais non! Qui percute pas la bagnole, hein? Allez, c'est le moment qu'on y arrive. Attends, attends, qu'on monte vite le risque. Ok, liseré vert, étrier vert. Bref, tu as l'application pour qu'on commence à bosser? Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'au final, tu vas faire quoi de tout cet argent que tu vas prendre, Nathan? Je vais réinjecter. À la communauté, j'espère. Attends, ça bug là, non? Ok, non, ça bug pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent, Nathan? Bah, je regardais pour un pass de combat, après, j'ai vu que c'était pas très cher. Mais les skins et autres, je prends des skins. Des skis. Je vous montre en vif le Urus, magnifique. Ici du carbone, liseré vert, config Shrek comme je vous ai dit. Brodé Lamborghini dans un pute-tête. Même le paquet chic est accordé. Des jantes en 23 pouces. La plaque perso, ça bouge pas. Le petit béquet. C'est dingue parce que regardez comment je filme, j'ai vraiment une dégaine de... C'est bon, on est en ligne. On est en ligne. Vous êtes en ligne. Ah, c'est bon, on va commencer à bosser. Et je vous remontre ici le volant qui est super chouette avec de l'Alcantara. Donc aujourd'hui on va moins faire les singes que d'habitude, quoique s'il faut aller vite pour une commande. Mais dans le respect des usagers et de la mécanique de la voiture. On est parti? Bah écoute, j'attends la commande, je suis à l'affût. S'il y a une commande McDo, c'est fou, je suis parti là. C'est fou parce que quand je te regarde, j'ai l'impression que tu attends l'argent, que ça tombe pour réinjecter. Moi, je suis content de cette vidéo, quoi. J'espère juste que tout cet argent va rester dans ma poche. Je l'ai sorti vraiment si je t'ai contraint de vraiment donner. En tout cas, je vais pas fausser les résultats, quoi. Sur la contrainte, vraiment. L'impression, oui, que... Vraiment. En tout cas, le Russe, il a 650 chevaux, comme ça, vous savez. La casquette me posait pas de questions. Pourquoi ça avait pas... C'est toi qui commence à rouler ou c'est moi qui commence à rouler? Allez. Mais fais pas le singe, parce que... Super, bah je pense que j'ai reçu une goutte d'essence sur mon doigt, c'est génial. C'est pas lui qui va payer le médecin. Bon les gars, c'est parti pour le show. Le but c'est que moi je garde mon argent dans ma poche. Mais si on peut faire plaisir à la communauté, on fera plaisir à la communauté. Même si les gens qu'on va rencontrer ne sont pas forcément de la communauté. Mais on veut faire plaisir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. T'as dit quoi? La cinquième fois que tu dis, j'espère que je garde mon argent. Allez, partage quoi. D'ailleurs, on va commencer par une chouette étape, mettre de la benz. Oh putain, ça va te faire plaisir. Donc ça. Finalement, ça va déjà diminuer le budget sans même avoir commencé les commandes. Super, Nathan, t'es un super ami. Moi, s'il faut donner, je vais donner, y'a vraiment aucun problème. Ben quoi? C'est dingue parce que t'as rapproché ta tête. Peux m'ouvrir le coffre, s'il te plaît? Allez, quoi, c'est pas ce que j'ai demandé. Ah, merci. C'est dingue parce que si tu cherchais vraiment le coffre est pas sous tes pieds. Le bouton, en tout cas. D'abord, on va vous montrer à la vitesse à laquelle on va faire les commandes. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça va être livré illico presto. Avec la casquette et tout, quoi. Ah, monsieur vend des fraises. Oh, mec, moi je suis trop chaud. Mais j'ai pas de cash. Monsieur, j'ai pas de cash. Bonjour monsieur, c'est combien les pots de fraises? Je connais, toi. Vous me connaissez? Vas-y, on fait le photo, j'ai des fraises gratuites alors. Eh ben, on va en profiter. On va en profiter. Bonjour, c'est rare de la part de monsieur. Bonjour monsieur. Ça vous dérange pas si on filme? Non, vas-y. Vas-y, tranquillement. Bon, les gars, on a croisé le frérot. En plein Waterloo, les gars. Regardez son petit chapiteau. Oh putain, il y a des fraises de zinzin. Est-ce que c'est toi qui paye, Nathan? Si c'est pour que le budget de la vidéo passe déjà dans des fraises. Eh ben, vous savez quoi, monsieur? Vous avez gagné 20 euros. Tu peux prendre le pot de fraises qu'on veut? Prends ce que tu veux. Merci. Putain, c'est dingue parce que de base, je voulais profiter de la vidéo et au final, c'est lui. Non, non, vraiment, garde-les. T'es sûr? Ça nous fait plaisir, mec. Je me sens un peu vidé parce que du coup, je vais donner 10 balles. C'est pas grave. Tu te cherches avec un BD 10 balles. Dis-lui qu'on a changé d'avis. Non, c'est pas grave. Incroyable. J'avais débloqué un budget pour la vidéo. Sur 300, on est déjà à moins 20. Super. On est en livraison, les gars. Vite, 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 vite. Viens ici, viens ici, ici, ici. Mais il fait quoi? Bah, il fait vite, vite, vite. Ah, juste un snap. Ouais. Bon, les gars, slam en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien compris. Mais il me dit qu'il veut faire une photo et l'autre il court dans le feu rouge. L'autre il fait quoi? Il a eu peur. L'autre il a eu peur.
croyait qu'on allait les agresser ou quoi? Je lui dis viens, arrêtez. Et l'autre il court. Je me suis bien vers la voiture, il court vers le feu rouge, mec. Sur là. J'étais à 40. D'ailleurs, attends, tu vas signer le papier. C'est quoi ce papier, Nathan? Je t'ai fait un contrat. C'est quoi ce papier? Tu m'as fait un contrat pendant les heures où tu roules? Non. Attends, regardez les différentes clauses qu'il y a. Waouh. Bah bizarrement, moi tu me mets la clause avec franchise. Non, il y a une franchise, même si tu la rends nickel. Mais non. Ah. Mais qu'est-ce que tu montres, mec? On prend? Oui, on prend. Bah oui, on prend. Ah, mais c'est juste ici, on voit la pied. Mais non. Mets ton sac, combien il y a? Les gars, on a une commande, on fonce au sushi shop. Qui est-ce qu'on livre, Nathan? Tu peux me dire le nom? Marie. Marie, super. 4 articles. On n'a pas choisi, quoi. T'as vraiment de la chance. Oui, oui. Et je vais me mettre devant tout le monde, parce que je suis un russe. Ah, bien, rien à foutre. Hop, excusez-moi. Merci, hein. Merci, fais signe, merci. Merci. Je suis gêné, quoi. Je fais n'importe quoi. Alors, c'est où Marie? Parce que Marie m'attend. Marie non. Nous a... D'abord, on va chercher sa commande à Marie. Oui, mais Marie nous attend. Et lui va prendre ton sac, hein. Et on va se garer en double fil, on va se geler, tiens. Oui, oui, c'est ici. C'est la sushi shop. Pour se mettre ici, non? Oui, à commettre les 4 feux. On est en livraison, mec. Oh, je m'y vois. Mon masque, quoi. Je mets aussi ma casquette, prêt, hein. Je mets mon sac et on y va. Bon, allez, on bosse. Allez, let's go. Marie nous attend. Bonjour. Faut pas nous juger, on vient bosser pour Marie. Prends une photo. Oh, tu vois qui on est? Merde. Ça, on peut. J'espère qu'on dérange pas le boulot. Top, GM, merci beaucoup. Pas de soucis, j'ai un problème. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, merci beaucoup. Il faut rien payer, hein, c'est elle qui paye. Hein. Merci, au revoir. Hein. Madame qui se pose des questions sur mon état mental. Allez, c'est parti. Allez, Marthe. Et là, on prend la commande et mange tout. Bonjour. Roule en russe. Y'a rien qui va. Appuie sur la cam. Ils ont rien compris au sushi shop. Oh, c'est génial. J'adore ce concept. On va bien s'amuser. Et ce qui est encore cool, c'est que je gagne 5 balles, quoi. Bah, franchement, même si Marie devine pas le nombre de chevaux, je lui donne 20 euros. Si je peux avoir son snap. Par contre, j'espère que c'est Marie qui a moins de 30 ans parce que. Mec, c'est pas Cédric qui descend pour la commande. Il y a déjà une autre commande, c'est dingue quoi. Bah, qu'on la prenne déjà quoi si on peut. Non, ça fait stresser. Oui, il faut aller à une autre puis revenir puis. Ouais, en plus, c'est pas on discute avec Marie, elle nous offre un verre. Non, c'est pas bien. Oh waouh. Tu vas plus loin ta commande. C'est dingue, moi je refuse. Allez. Bon, dis à Marie qu'on arrive bientôt. Ah, livraison en main propre, elle indique. Appelez-le en arrivant. On a son numéro? Et je vais user mon crédit? C'est une blague, mec. Par contre, on va pas filmer madame à son insu. C'est parti, Marie, on est là. N'est-ce pas? Marie! Elle va être choquée quand elle va voir le russe. C'est ici que Marie habite, t'es sûr? Ouais. Le mec a de feu. On est bon? Allez, Marie. Ah, c'est madame Marie. Vous êtes chanceuse aujourd'hui. On vous amène votre commande. Et si vous devinez le nombre de chevaux qu'il y a dans la voiture, on vous rembourse votre commande. Et en plus, ce sera un vélo. Oui, c'est un super vélo. Ça vous dérange pas, ça? Non. Je vais déjà sortir votre commande. Hein. D'accord. Il y en a beaucoup, madame. Hein. Faut pas hésiter. Me dites pas 200 parce que ce serait un manque de respect pour la voiture. Je sais pas, 330. 330. Allez, on vous laisse 3 chances. Plus. 4. Plus. C'est pas plus. Si. Plus que 400. Ça roule avec de l'essence 98. 150. Ah, c'était 650. Mais c'est pas grave, vous avez votre commande. Heureusement, je garde mon argent, quoi. Mais passez un bon appétit. Merci, au revoir, on est pressé. Salut. Allez, quoi, c'est quoi ce cirque? Quand elle m'a vu arriver, elle a dit c'est quoi ce bordel, quoi? Je peux juste manger mes sous. Donc là, t'as gagné des sous? J'ai mis que t'es bénévole. T'as pas gagné de sous. Ah, une commande. Mais non. Carrefour Express, c'est parti. Là, si on peut prendre des Red Bull sur sa commande. Bien dit, Zizi, c'est chez toi? Glacier Zizi. On n'irait pas prendre une boule de glace après tout le monde? Tu vas y aller tout seul. D'ailleurs, je te dépose maintenant si tu veux, tu peux descendre. Ici à gauche, ouais. Et il est juste là le truc Carrefour Express. On a l'air de quoi? Mec, on est ridicule. Vas-y, go. C'est reparti, commence 46. Qu'il n'y en ait pas un qui vole la bagnole. Sac, hein. Le sac. Si je vais pas avec mon matos, ça va être compliqué. Que personne ne pense que c'est un spectacle. Mec, le moteur allumé et tout. Mais non. Mec, t'as un problème. Je me suis crié à Dubaï. T'es fou, mec. Mais what, quoi? Le stress. Allez, on y va. On prend la commande, on se bat. Carrefour Express, bonjour. Oui, j'ai pris une commande, s'il vous plaît. C'est pour Jean-Michel. Pour Jean-Mi. C'est la première fois que je. Bonjour. Oula. On vient prendre la commande pour Jean-Mi. Ah, tu sais, monsieur. Jean-Michel, oui. Je dois payer quelque chose? Non, mais non. Valide. Hop. C'est bon, ça va aider. Merci. Bonne journée. Ouais, allez, pas. Non, je suis pas connu, moi. Non, je suis pas connu. Tu m'as confondu avec quelqu'un? Non, je rigole, c'est moi. Mais on est en train de livrer. Attends, c'est pas une si. Des voitures, là. Ouais. Bonne journée. On est en train de bosser, là. Vas-y, mets le GPS. Go. Jean-Michel. Jean-Mi, on arrive. Jean-Mi, on arrive. Bah, j'espère vraiment que Jean-Mi va pas deviner, quoi. C'est bizarre parce que j'ai plus envie de donner des sous à. Que à la fin, si moi je fais une commande, et est-ce que je peux deviner le nombre de chevaux? Non. Si
je fais une grosse commande. Bah c'est bizarre parce que si tu comptes faire une grosse commande, tu veux peut-être commander pour tout le quartier. Bah, c'est fou. On arrive en combien de temps parce que si on peut. 5 minutes. Allez-y mesdames, on est en train de bosser quoi. Et elles disent pas merci. Elles disent pas merci, c'est une blague. Tu sais que ça m'énerve. Hein. Les gens sont insupportables. Oh, rendez-vous dans le hall, me prévenir s'il ne peut arriver jusqu'à ma porte. C'est clair que le russe va pas rentrer dans le hall, hein, Coco. Allez, mec, son sac est lourd quoi. On dirait il a fait les courses pour un mois. Il a pris Valais Central gâteau, Carrefour bio pain et Carrefour tout en un tablette lave-vaisselle. Du pain et des trucs pour le lave-vaisselle. On dirait une commande de tueur. Ammoniaque, Javel, cellophane, pelle. Imagine. Fio, bac. Par contre, le mec du Carrefour était anxieux. Validez d'abord la commande avant de partir. Ouais. On peut pas commander un Red Bull au paquet directement ici. Mec, qu'est-ce que tu fais, mec? Allez, bah, je peux aller chercher, hein. Le mec est insortable. Non, le feu est pas assez long. C'est déjà rouge. Qu'est-ce que tu racontes, c'est ici? Jure, c'est ici vraiment. Montre-leur. J'espère que c'est pas la voiture de Jean-Michel parce que ça confirmerait le sac de course qui est assez lourd, quoi. C'est fou, ça. G800 Brabus. On a un du chemin de droite. Qu'est-ce que je. Mec, on est en Urus, regarde ce que je fais, quoi. Bah, je vais lui dire le modèle et il va me dire ce que c'est. Bonjour monsieur, on vous amène votre commande. Vous êtes même chanceux parce que on est avec une Lamborghini Urus. Si vous devinez le nombre de chevaux exact de la voiture, on vous rembourse votre commande. 400. Plus, vous avez 3 chances. J'ai peur d'avoir dit que vous avez 3 chances. 600. C'est plus. C'est une Lamborghini, hein. Il y avait marqué à vélo. Ah oui. Mais c'est pour les taxes et autres. C'est pour les taxes, on l'a mis à vélo. D'accord. Vous êtes super. Dernière chance. Ah, dernière chance. 800 chevaux. Non, c'était 650. C'était 650. C'est pas grave. La commande est quand même là. Hein. Oui, la commande est là. Donc... Voilà, oui. Bah, ouais, super. Bah écoutez, bon appétit et au plaisir. Il y a un chien. Allez, salut. Ah, il est au-dessus. Coucou. Au revoir, monsieur Michel. Au revoir. Allez, salut, parce qu'il y a un russe qui est arrivé. Hop. Parce qu'il y a des chiens. Si au revoir, monsieur Michel. Au revoir. C'est génial. Hey, salut Mich. Attends, je fais un plan en GTA. Hop, c'est parti. Il était pas loin, hein. J'ai eu peur. Hein. Quoi? Il était pas loin. Hein. De quoi? Bah, de trouver. Oui. J'ai eu peur. Elle a dit 600, moi j'étais transpiré. Hein. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est une Lamborghini, il y a beaucoup. Il était super chouette, par contre j'aurais aimé lui faire plaisir. Je viens quand même de dire à Nathan qu'après 4 commandes, on pouvait peut-être arrêter la vidéo. Il m'a dit je comptais en faire 10 avant de rentrer à la maison. Salut Mich. Oh. Franchement, j'aime bien livrer dans la commune de Uccle, quoi. Ouais, c'est bien ici, hein, c'est chouette. Qu'on aille pas plus loin, quoi. Ouais, non. Qu'on ne s'engouffre pas dans Bruxelles. Parce que la clientèle sera tout autre. Mais tout autre. Allez, on est qu'à 10€ de commande. On est qu'à 10€ de commande. 9,90€. Et quand tu t'es levé ce matin, tu t'es dit que tu allais repartir avec combien sur ton compte? Je fais au moins 50. Au moins 50. Oh, j'ai faim, mec, allez. Bah, ne croque pas dans la commande de qui. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent donner des pourboires. C'est pour ça qu'on va bien préciser qu'on a un Urus, parce que le pourboire de 5€. Oui, qu'ils mettent un pourboire de 20, quoi. 5€, ça débloquera juste la pompe pour qu'on mette des litres, quoi. Bon, allez, y a pas de commande qui tombe. Il fait dégueulasse, Abbé. Qu'on fasse ça à Marbella. Oh putain, t'imagines, avec des Espagnols et tout. Hola! Your commanda! On est en train d'attendre des commandes. Monsieur m'a demandé à la caisse si je faisais des TikTok. J'ai dit non, je suis policier. Il m'a regardé. Et premier degré. Mais premier degré, c'est pas une blague. T'es méchant, oui. Allez, je suis pas méchant. C'était des gens. Je suis policier. Bon, les gars, on est reparti. Il y a une nouvelle commande. Comment s'appelle? Christina. Oh là là. Tu vas vite ta mère. Ouais. Oh la McLaren. Où ça? Là devant. Regarde, c'est à gauche, mec. Ah merde. Je me permets. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait? Dimbé. T'as fait chier toute l'avenue, quoi. Bah, je suis policier, je me permets. Christina. 700 mètres. Attends, il y a un monsieur qui traverse. Yes, vous voulez l'accès? Il y a un scratch. De rien. D'abord, mec. Allez, c'est parti. La clé, je vais pas la laisser. Et ce que j'adore dans cette commune, c'est que personne te regarde, tout le monde s'en fout. Ah, regarde, il filme, il croit que je l'ai pas vu. On est en train de bosser. Et je vais fermer la bagnole parce que je connais pas le loustique. Arrêtez tout. Merci, non. Moi aussi. Buonasera. Possiamo parlare italiano. On vient prendre les pizzas per Cristina, 4 pizzas. Oh, c'est chaud. On arrive, Cristina. T'as l'air content d'arriver. Fou, oui, je. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a moyen de changer un billet contre des pièces? C'est l'arnaque à peu près. Est-ce qu'il y a moyen de changer un billet contre des pièces? Ciao, ragazzi. Grazie mille. On est pressé, mec, allez, c'est pas possible. Ciao, ragazzi, que j'ai dit. Ciao, ragazzi. Là, c'était capable de dire pezzo di merda et. J'ai hésité. Mais non. Oui, j'allais dire à la casa sempre la sei. En tout cas, on va dire à Christina qu'elle a gagné une soirée italienne. Urus, pizza. Je ferai l'effort de parler en italien toute la sera. Dans votre sens, super. Non. Ouais. On peut faire de mes tours ici. Ouh là là. Excusez-moi. Grazie. Excusez-moi. Merci.
Tout droit. Tout droit. Tu prends l'accent italien. Tout droit. 500 mètres. À gauche. Attends, c'est combien de mètres? 800 mètres. Alors tu dis 800 mètres. 800 mètres, casa sempre la sega. 800 mètres, casa sega, sempre fa fa culo. Pezzo di merda. J'ai pas le sac par terre avec la pizza. Surtout, j'ai toujours acheté le sac de manger. Pourquoi j'aurais acheté le sac? Non, mais j'ai toujours le sac, je fais des moves de fou, mec, c'est la bouffe des gens. Et si elle me demande ce que je fais dans la vie pour avoir une ruse, je vais dire je suis policier. Voilà. Mais je t'avais raison en main propre. Oui, oui, oui. Et si elle peut même faire une table et tout quand on arrive. Parce qu'elle nous entend d'arriver, quoi. Stop, on y est. Voilà, c'est monsieur qui est là, super. Super. C'est la commande, Christina. Buonasera. Vous êtes pas Christina? Non, je suis pas Christina. Par italiano? Non, romain. Ah, romain, ok, pardon. On va vous donner vos pizzas, mais si vous devinez c'est combien elle a de chevaux exactement, vous gagnez la commande. On rembourse la commande. Je devine pas. Combien de chevaux elle a? 400. Non. Dernière chance? 500. 500. Dernière chance? 600. Non, c'était 650. De toute façon, vu le nombre de pizzas, je suis content que vous avez raté, quoi. Mais en tout cas, c'est gentil. Attendez, c'est intéressant de livrer avec. Tu sais, oui, c'est très intéressant pour les taxes. On déduit tout avec la société, en fait. Buonasera, ciao, ciao. Allez, on est pressé, hein. Moi, j'aurais bien aimé voir Christine. Ouais, c'est dommage, hein. Ouais, c'est vraiment dommage. Franchement, force à tous les livreurs. Être livreur, faut vraiment avoir de la force, ouais, hein, les gars. Ah, commande. McDonald's, mec. Prends, c'est pas grave, prends. Ouais, prends. McDo, t'es sûr? Ouais, vas-y. La guerre, McDo. Non, on va voir. On attend. C'est à l'opposé, mec, allez, quoi. Qu'on prenne, on va découvrir ce que c'est. Le McDo, c'est celui-là qui leur fout le monde, hein. Allez, mec, c'est de l'argent. T'as craché sur de l'argent, là. Mais j'ai pas encore mis le. Ah, trop tard. Mec, ouais, mauvaise idée. Oh, putain de gueule, mec. Oh, mec, une livraison à 10 euros. Go. Attends. Chez Clémentine. Prends, Clémentine, mec. C'est une blague, t'as hésité. Chez Clémentine, c'est une friterie, j'ai couille, va. Hey, go. C'est où, droite, gauche? À droite, calé, arrête. Chez Clémentine, c'est pas une fille? C'est une friterie, mec. Et on va livrer qui? On va livrer Nathan et Patrick, mec. Qui? Nathan et Patrick? Putain, j'espère que c'est précipité, moi. Mais t'as dit Clémentine, mec. Mec, c'est une friterie. Bah, c'est peut-être. Mec, il y a deux personnes. C'est peut-être parce que c'est une soirée. Mec, on a dans une soirée villa. Deux entrées différentes, hein. C'est pour ça que c'est 10 euros, mec. On a livré Nathan et Patrick. Viens, tu manges la commande, tu dis, ah, je croyais que c'était pour moi. Tu fais n'importe quoi avec Clémentine, t'es excité, mec. T'as un problème. Tu m'as perverti depuis que je suis ami avec toi. T'as pas ton argent, parce que là, c'est deux mecs, mon gars, Nathan et Patrick, mais ils vont savoir. Hein. Putain, chez Nathan, ça m'a l'air jeune. Il y a une moulbox, on peut charger. Allez, qu'on y aille. Il y a du monde et tout, il y a des jeunes. Oh, oh merde. Oh merde. J'ai honte là. Ouais, je le laisse comme ça, ça fait vraiment. Ça fait le mec qui bosse de ouf, quoi. Il bosse tellement qu'il a pas le temps de refermer le sac. Oh mec, il y a fou le monde. Ouais, il y a du monde et tout. Non, je vais moi. Tu mets le sac, ça va être drôle ça. Non, je mets pas le sac. Moi j'y vais, je fais le parterre, je dis ouais, c'est pour Nathan et Patrick. Waouh. Oh là. Avec ma casquette de police et tout. Bonjour, viens encore à la commande de Nathan et Patrick. Clémentine, elle est où? Je sais pas où est Clémentine, mais elle a attrapé de la barbe, Clem. Ou elle a peut-être fait une franchise ou autre, parce que je vois pas Clémentine. Le tour est tellement long. Oui, c'est pour qu'il me voit que j'attends pour ça. On peut pas me rater là. Ah, Clémentine, une note sur 10. Ah, Clémentine, je vais mettre un Google. Comment est-ce qu'on dit? TripAdvisor. Voilà. Eh ben, je vais dire que j'ai pas vu Clémentine. Regarde, il est marqué quoi sur le truc? Clémentine. Je l'ai pas vu. Hein. J'aimerais bien savoir où elle est. Qui nous entend d'arriver? T'imagines, on arrive. Mais vous roulez comme des malades. Vous êtes fous ou quoi? C'est lequel qu'on livre là maintenant? Nathan. Mais Nathan n'attend pas. Allez, qu'est-ce qu'ils font quoi? On bosse. On se met les quatre feux. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis de la police. Mec, moteur allumé et tout, quoi. Allez. C'est le nom de Nathan. Ah, y a pas de quoi. Ah, y a Patrick Bruel et Nathan. Elle a la digue facile, je suis une big machine. Trop un beau problème. Mais... Allez, moi ça me stresse, une voiture à l'allumer et tout. Oui, la voiture est en plein milieu. Regardez-moi ça. On laisse tout là. T'as une chaise, ça bouffe. Ouais, Nathan, ouais, devine les chevaux, ouais. C'est quand même assez calme comme quartier. On aurait dû faire des rupteurs quand on arrive. Ah, super. Bonjour. On est venu avec votre jour de chance. Si vous devinez le nombre de chevaux qu'il y a dans le Urus, vous gagnez votre commande. On la rembourse, quoi. On la rembourse. Vous avez une chance. Parce que je sens que... 600, oh, pas c'était, loin. C'était pas loin, c'était 650. Ah, je suis obligé de dire le truc précis. Ouais, le truc précis. Hein. Parce qu'on a beaucoup de commandes, donc si on rembourse tout le monde. Ah, il y a une voiture derrière. J'arrive. Oh, c'est bon, c'est une commande. C'est une commande. Salut. Vite. C'est bon. Je vais montrer le sac parce qu'on n'allait pas nous croire. 600, pas loin.
Ouais. Je savais que le Nathan il allait. Ah, on doit dire le truc exact. Bah oui, toi oui. Est-ce que j'ai été méchant d'après toi de lui laisser qu'une chance? Oui, tu as été égoïste. Non, c'est parce que c'est la fin de journée, il fait bientôt noir, mec, il faut qu'on arrive à desservir tout le monde. C'est chacun sa chance. Mec, j'ai pas de. Sinon, on leur dit par exemple que c'est à 325 chevaux, faut dire 325. Ouais. Et s'il fait x2, c'est mec, mais mec, il y a 50 chevaux de différence, donc oui, faut le truc. S'il m'avait dit 645, ok, tu vois. Ça va, ça passe. Là il a dit c'est à 50 chevaux de différence, je vais pas non plus être le bon samaritain hein. Si c'est ça, moi je rentre avec les poches vides et on puis... va encore payer le loyer quoi. Oui voilà. Bon, on a une autre commande. Ah mais oui c'est Patrick. Patrick il me fait moins peur. Attention que ce soit pas un puriste hein, parce que Patrick... Ouais Pat, tu veux une patate ou du pôle? Devine combien elle a de chevaux et je te rembourse. Oh, je fais un sac. Oh, j'ai une boule comme ça dans mon rectum. Bah là je suis Patrick, ok. Non juste tu peux chier chez lui. Le mec hyper à l'aise. Si ma... Est-ce que je peux chier chez vous? Ou alors si je peux uriner juste quelques gouttes quoi. Et là. Une grosse gastro. C'est dégueulasse. Rien qu'à y penser, ça me répond. Est-ce que je peux uriner chez vous? Oh le boucan. On est presque. On va mettre à gauche. Prochaine à gauche. Je vais tourner là. Je suis là. Ici à gauche. On passe ici. Stop. Ah, bonjour. T'apportes votre commande. C'est pas un vélo, mais c'est parce qu'aujourd'hui on vous rembourse votre commande si vous devinez il y a combien de chevaux dans la voiture. C'est pas grave, on vous dit juste, alors vous avez, si vous connaissez rien, vous avez trois chances, allez. C'est de Lamborghini. C'est une Lamborghini. Donc... Ouais, sûrement, ouais. Non, c'est vrai? Non, c'est vraiment une Lamborghini. Ouais? Ouais, c'est une Lamborghini 4x4. Merci, monsieur. Déjà ça. Je m'en déconne, c'est gentil, mais je connais rien, ouais. Juste pour jouer, dites un... Il y a plus de 500, déjà. Allez, 1000 chevaux? 1000 chevaux, non, ça fait beaucoup. Moins. 850. Moins, dernière chance. 750. Ouf, oh, c'est pas loin. Si il disait 650, c'était 650. Bah, c'est pas grave, bon appétit à vous, du coup. Merci. Au revoir, monsieur. Allez, on est prêt. Bonne soirée. Oui, il est super, le vélo, oui. Il a dit bonne chance en vélo, hein. Ah, il a dit bonne chance. Il a pas cru que c'était un russe, quoi, montre-lui. Allez, vas-y. Quoi? Il a pas cru quoi! Mais il a pas cru! Il a dit joie sûrement! Il nous a pris de haut quoi! Tu vas sûrement. Pas donner le code! Hey, il m'a pas donné le code! Merde! C'était où? Passage. Ouais, Pat! Envoie le code! Ouais, Pat! Mec, il est con quoi! Mec, on a pris du code! Quoi. Attends, je vais faire un replay. Ouais, Pat! Patrick! Mec, t'es con quoi! Patou! T'es tout rouge pour de vrai, je m'en dirais. Mais c'est pour rire. C'était pour rire quoi, c'était trop. C'était too much. Oh, je t'ai vu rouge, mais... Mec, c'est la première fois que je te vois rouge, je me suis senti mal à l'aise. Genre, j'ai senti que j'allais trop loin quoi. T'as bavé. Il a bavé. Mec, tu m'as gêné. Mais non. Ça, c'est fou, mec. Mec, j'ai senti que t'étais en retrait, que t'étais pas avec moi, quoi. Waouh. Je t'ai vu tout rouge. T'as crié, oh. Mec, allez, on bosse pour revenir, c'est quoi la honte. Attends, à mon avis, il est déjà là. Le nez dans son plat, là, il m'a pas très fort. Il est déjà comme ça. Il a déjà déposé le téléphone, faut qu'on sonne. 0626. Ah, il te l'a envoyé. Bah, c'est bon, on peut y aller alors. Bah, on va y aller seulement si c'est validé. Ouais. Attends, je sonne. Vas-y, merci, Pat. Du... Merci, Pat. On va pas glisser pour Patin. Mec, je te jure, j'ai vu ton visage. Je me suis dit, merde, j'ai fait de la merde là. Mec, j'étais choqué quoi. Mec, mais moi aussi j'étais choqué. Tu m'étonnes, mec, tu m'as gêné. T'étais comme ça, t'étais. Tu m'as gêné de fou. C'est une blague. Genre, tu m'as jamais fait ce visage là quoi. Tu m'as gêné de fou. Ah, une commande, rien. Tu crois que ça passe pour faire demi-tour? Bah, on verra bien. Ah ouais, la bordure est haute. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de latence. Oh là là, j'espère qu'on a le temps parce que là. On est dans un bourbier. Bah, c'est de ta faute, tu m'as dit fais demi-tour. Mais je vais faire ça combien de fois? Sorry. Mec, si je tape la lame. Merci. J'ai peur d'accélérer sur les rames. Sur les rames. Sur les rails. Wow. Livraison express. On y va, et j'ai laissé tout le temps la clé, je suis vraiment rasbé. C'est pour Maxime. Allez Max, Maxime ou Maxime? Maxime. Putain. Bon, c'est la dernière commande. Hop là. Allez, on y va. C'est pas un spectacle, hein. Je suis en train de bosser. Bonsoir. Bonsoir.
On vient prendre une commande. On est en train d'offrir les commandes aux gens s'ils devinent le nombre de chevaux qu'on a dans la voiture. Les gars, c'est incroyable. On est dans un super restaurant et ils nous proposent de faire une pause avec la commande des clients. Quand même. Non, je rigole, il y a de trop et donc du coup, ils vont nous proposer à manger quoi. Non, mais c'est vraiment s'il y a de trop quoi. Bien vu. Je veux pas gêner quoi. Et c'est par facturé hein. On est où ici? Jimbo. Jimbo. Mais ils sont super sympas chez Jimbo. Je pense qu'on va déguster. Super. Mais non. Incroyable. Wow. Maison, tartare maison, burger maison, spicy maison. Incroyable. Mais on peut tout goûter quoi. Allez, c'est parti. Y'a pas de sel. Y'a pas de sel, mais on est chez Jimbo. Une journée super rentable. Surtout pour toi. Bon les gars, merci beaucoup. Ciao. C'est parti, on va essayer de pas se cracher, il y a quand même 600 chevaux. Allez, salut. Yo. Eh bah franchement, si c'est ça. Oui, on est des livreurs en Urus. C'est génial. Ça n'a aucun sens. Bonne soirée. C'est pas une fausse. On a pris un peu de retard, on va accélérer. Ouais, mais on a bien, mec. C'est bien, vraiment des bons. Mec, c'est une dinguerie, mec. Après, ils sont pas cons. Parce que, mec, c'est comme ça aussi que tu vends ton truc, tu vois. Mec, c'est fou, putain, mec. C'est incroyable. Mec, ça m'a mis bien. Toi, t'as faim depuis tout à l'heure. Ah ouais, tu as dégusté sans péter un mot, quoi. Le mec a rentré les frites. Et si on peut acheter un con dans son cheeseburger. Ouais, mais j'ai hésité à demander si je peux avoir une boisson, quoi. Y'a un peu de ça, il prend ça. Super. J'ai dit, toujours. On peut avoir à boire. Toujours les mêmes, c'est fou ça. On pisse du sable. Y'a des dodanes, ils font mal, tu penses? Ouais. Ça va. Allez, oui. Oh putain, ça pète l'échappement et tout. Putain, on bosse de ouf. Mec, on a bossé aujourd'hui. Ouais. T'as combien là? 25, sûrement. 25? Avec celle-ci, 25, ouais. C'est génial. Oh, j'ai adoré ce moment, mec. Ouais, c'était bon. Mec, c'est fou tout ce qui peut se passer dans une vidéo, mec. Bah, franchement, je vais dire aux clients, écoutez, vous allez passer un super plat. Donc si vous ratez de deviner, vous ne serez pas déçus, quoi. C'est dingue le nombre de gens qui commandent en ligne, mec. Putain, wow, ça se tente, hein. De fou. Et t'as envie de marcher ici dans les rues? Ouais, bien sûr. T'as envie de te promener après le travail? Bah, mec, une là. Ah oui, pas avec toi. Vas-y, si. Super. Pas te dire, on va te promener, hein. Oui, non. Allez, c'est droite. De toute façon, même quand on est en vacances 10 jours, on se promène jamais, donc. Ouais. On est en bagnole. Les H24 en voiture. Ils ont pas le visage des membres. Je pense que quand on va partir en vacances, pour pas dire où, c'est droit, on va bien se promener. Ah, bonsoir. On vous apporte votre commande. Et on a même une bonne nouvelle pour vous. Si vous devinez le nombre de chevaux qu'il y a à la voiture, on vous rembourse votre commande. Du premier coup. Hein. Bon, déjà, ça, c'est votre commande. Maxime, c'est bien vous. Vous êtes prêts? Dites-nous tout. Ah non, j'ai aucune idée. C'est une Lamborghini. C'est une Lamborghini Urus. 650. Mais non. Vous avez trouvé d'un coup. Vous le saviez? Bon, c'est combien la commande du coup? Bon, on va peut-être regarder le ticket. Non, bah allez, je vous donne 20€. Vous avez gagné. Bah, passez une bonne soirée. Vous êtes la première personne qui a gagné en 4 heures là. C'est vrai? Ouais, je vous jure d'un coup. Ah bah, merci beaucoup. Bon, bah, du coup, félicitations. Merci. Bon appétit à vous. Bonne soirée. Au revoir. T'as la folie, mec. J'ai perdu. Putain de merde, fais chier. Allez, gars. Du premier coup, mec. Mec. Allez, gars. T'es ravi. Allez, mais mec, ah, je suis mort quoi. Mais comment il a trouvé? Non, mais il fait semblant, je sais pas. 650. Mais lui, il m'a fait quoi. De tout le travail qu'on a fait, on est même pas rentable quoi. On est à 20 balles, on lui a donné 20 balles. Choqué. Heureusement qu'on nous a donné des frites quoi. Vraiment. Ma bien, Patrick, hein, comment il s'appelait lui? Maxime. Putain, je suis en perte, mec. Pourquoi je me fournis un prime de phobie? Bon, les gars, j'ai plus un rond. Je pense qu'il est temps d'arrêter les conneries. J'ai fait plaisir à 3 personnes aujourd'hui, je pense. Si mes calculs sont bons, voire 4. Tu casses un mensonge de fou. Et en net, on est à 2. Qui est super. Il me reste un peu de sous, mais ça va être réinjecté dans d'autres vidéos. Si un jour je dois faire des dépenses. Par exemple, quand on attend à faim ou que moi j'ai faim, bah ce sera. Bah j'ai faim, ça tombe bien. On va peut-être continuer finalement. Montre combien tu as fait d'argent sur mon téléphone est là-bas, j'ai fait 25. Mais en Belgique, une commande, c'est 5€. Voilà. Et voilà. À Paris, mec, c'est en fonction de ta vitesse, il y a plein de trucs, t'as des bonus aussi et tout quoi. Si c'était en fonction de la vitesse, je pense qu'on aurait été beau là. Genre. La prochaine fois en classe S à Paris, on est à Fabrice. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On la termine avant qu'on soit complètement fatigué. Parce qu'on va aller jouer à la play. La chaîne Twitch est toujours en. Bah, elle sera peut-être déjà sortie au moment de cette vidéo, je sais pas. Qu'est-ce qui est carré? Pardon? J'ai pas ma carte, j'ai rien, moi je suis en train de faire une vidéo là. C'est pas un peu. Bref, écoutez, je suis en train de filmer, là je vais vous montrer. Et puis bon, ce qui est là, c'est que je l'ai vu en train de milieu. Donc avant qu'un voleur comme ça vienne, on se casse là-bas. Je suis un peu choqué, les gars, on a failli se faire racketter. On était en train de filmer à la pompe, il y a une BM qui arrive avec des feux jaunes. Le mec me dit, vous êtes en live? Je dis oui, parce que ça freine toujours les gens, ça, vous êtes en live.
Et il dit, ouais, vous avez pas... Qu'est-ce qu'il dit pour de l'essence? Qu'est-ce que tu racontes? Ta voiture, elle a roulé jusqu'ici. On est tombé en panne, qui me dit. Elle fait pas, elle fait aucun bruit, ta BM. Enfin bref. Génial. Bon, si c'est pour donner de l'argent, je donne l'argent aux gens qui ont besoin. Mais me racketter, non. Donc on a pris la fuite. Donc voilà, on est obligé de terminer la vidéo en trompe, quoi. C'est quand même dingue, je trouve ça fou. Quand même fou. Que dans la peur, on a terminé une vidéo, quoi. Mais moi, je prends pas le risque de laisser une nue russe comme ça, une, comme deux pantins, on a même pas d'armes. On a même pas d'armes, mec, allez. Enfin bref, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. On fera une partie 2, mais vous allez pas être prévenus comme d'habitude parce que les tricheurs et les streamhacks qu'on connaît, tout ça. Si on fait un streamhack pendant la vidéo ou vidéo hack, je sais pas comment on dit pour YouTube, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour de nouvelles folies. N'oubliez pas de liker, les gars, c'est hyper important. J'y ai pensé pour la dernière vidéo. Mettez un j'aime si vous avez vraiment kiffé, parce qu'il y en a qui n'y pensent pas du tout. Mais nous, ça nous aide pour l'algorithme. Et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Et voilà, c'est trop dingue. Allez, yo.